Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Gorgorcillon qui vous parle en direct de la 14e partie d'Omblifou de Sticks Masters of Shadows. Dans l'épisode précédent, tout s'est bien passé, nous avons fait deux zones de la prison à la suite, sans faire trop de conneries un peu sur la fin, mais ça s'était plutôt bien passé. Donc ici, on va continuer en espérant que ça pourra aller toujours aussi bien. On va voir si je suis capable d'enchaîner deux épisodes qui se passent bien ou pas du tout. Donc j'espère que vous allez bien, que ce playthrough vous plaît toujours. Et je suis censé passer par la racine, c'est ça? Apparemment. Moi, je puisse monter par là, mais ça serait très étonnant. Bon bah... Ok, donc maintenant on peut monter sur les racines des arbres alors que toutes les autres fois tout le monde passe à travers, d'accord. Bon, ici j'ai pas trop le choix d'où je peux aller. Vers le quartier de haute sécurité. J'ai rien à faire ici. J'ai pas de quête. Vol le réfrigérant à boule pour Oscan. Ah oui, le fameux réfrigérant à boule. Apparemment, il est pas par ici. Hein. Non, ne dites pas que la zone, c'est juste ça quand même. Il n'y a rien. Ah si, il y a des insectes. Ah, et un scientifique. L'insecte, il est en bas. Ok, le garde dort. Toi aussi, tu vas faire un petit somme. Et tu vas te cacher sous le bureau si tu as envie. Et toi, tu rentres dans le mur, mais bien sûr. J'adore comme ce jeu n'a absolument aucun bug. Regardez ça. Voilà, une statue. Ah, pièce, on s'en fout, mais on la ramasse. Ah, pardon, la chaise. Ce que je chercherais, ce sont des potions. Là, par exemple, il y en a une sur le feu, mais je ne peux pas la prendre. Ah, c'est ça. Ça, c'est pour te narguer, quoi. C'est... T'es dans le truc d'alchimie, mais il n'y a pas de potion. Je n'ai absolument plus rien. J'ai du sable et de l'acide. Pour le reste, démerde-toi. Oh bah, ouais, tant qu'à faire. Vu la position ridicule dans laquelle il est. Ouh, il y a un... Est-ce qu'il y a moyen de le faire tomber? Oui, il y a moyen. Pile maintenant, ça serait bien. Ah, je l'ai raté. Souhaitez bien que je chope le garde avec. Là-bas, il y a des fioles d'acide. Je n'ai absolument rien à faire. En fait, je suis censé aller par là, c'est ça. Bon, on va peut-être déjà faire une sauvegarde. Pas d'autres objectifs, donc... Attends, mais... Ah, d'accord. Là, c'est juste pour aller dire bonjour à l'insecte. Là, c'est con que j'ai raté le soldat, quoi. Le soldat qui fait n'importe quoi. En fait, j'aurais pas dû descendre, quoi. En gros. Ah, mais je peux peut-être remonter. On peut remonter, c'est cool. J'aimerais bien aller par là. Parce qu'on va faire ça. Ah mais attends, il y a un truc là. Ouais, un truc qui sert absolument à rien du tout. J'arriverai jamais à sauter jusque là.
Ah, bah ça y est, tu te décides à revenir de l'autre côté, toi. Ok, c'est tout ce que tu fais. Ok, l'autre n'a rien vu. Non, non, t'as rien vu. Retourne-toi, tout de suite. Voilà, c'est bien. Faut toujours obéir à un gobelin. Ouah, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Pourquoi est-ce qu'il y a une seringue dans je sais pas quoi, dans les couilles énormes du mec? Il vient plus près. Pardon la chaise, hein. C'est rien contre toi. Ah, un crâne. Voilà, ben maintenant il y a deux crânes. Il y en a un qui est tout cassé. C'est pas une potion ça. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que c'est ça? Les machins, ils ont mis toutes des potions de soins, mais qui sont pas prêtes. Pour bien te narguer. Je peux pas prendre la seringue. Pourquoi ce crâne fume? Il a des idées noires, c'est ça? Hein, une pièce. Je cherche des potions, mais... Ah, là, il y en a une. Bah non, c'est de l'acide. Alors cet homme a toujours sa tête sur les épaules, mais son cerveau est en... Ah non, c'est une tête d'orque apparemment. Ou je sais pas quoi, mais... C'est bizarre. Ils ont essayé de greffer des membres d'orque sur un corps humain, c'est ça? On va peut-être éviter de marcher sur le bras zéro. Ah, c'est encore un squelette qui fume, d'accord. Ouais, on aime bien faire fumer les squelettes ici. Il n'y a pas que les squelettes qui fument, j'ai l'impression. Faut que j'envoie mon clone, d'accord. Alors, un soldat, un ouvrier, une bûche, ça c'est cool. Par contre, je vais sûrement rater mon seau. Non, ça va. Un seau. Je peux pas les faire tomber, c'est embêtant. Oula, là par contre, ça se complique. Bon, heureusement que j'ai chopé une potion de vie, moi. Regardez, il y a un seau. Ah ouais, c'est ça, il y a quelqu'un. Non. Le saut n'est pas du tout allé là où je voulais. Bon, maintenant je suis pas dans la merde. Hein. Et en plus, faut que j'envoie un clone là-bas. Ah, mais c'est peut-être une solution ça. Essayer de repasser un clone en vitesse. Enfin, en vitesse, c'est vite dit, mais. Bah voilà,
Il a explosé devant lui. Bon. Je passe ou je passe pas? Je passe! Oh, ce skill. Hey, deux épisodes où ça se passe bien. Bon, par contre, on va faire une sauvegarde du coup. C'est chaud, c'est des stratégies un peu tordues, mais ça passe. Alors là, il y a un garde par contre. En plus, c'est un garde armé, ça va courir de galère ça. Bon, je suis censé passer là. Me, it's 6 months since the beginning. Best decision of my life. Brother Aaron at least knows what he wants. The governor should retire and leave the keys of Arkanash to him. Yes. Tout ce qui me reste de lui. You have to put up with the company of rude suckers. Those characters give me the creeps. Qu'est-ce qu'il a sur son ventre? Ah, ça y est, il se casse enfin. Moi, j'aimerais bien monter, surtout. A lot of stuff that could look like Ozcan's bulb thing here. I better keep my eyes wide open. Oh non, tu n'as absolument rien vu du tout. Oh non, personne n'a rien vu. Il n'y a absolument rien à voir. Moi qui vous le dis. Observons ce qu'il fait. Il se déplace bizarrement. Ok, il y a plein de lumière, mais ça n'en fait pas. Je suis toujours considéré comme étant dans l'ombre, hein, là. Voilà qui est fait. Alors, est-ce que je peux réussir à sauter au-dessus de la tête de ces deux mecs? Ça va être tendu. Oh, oh, ça passe. Oula, bah... Bonjour, monsieur. Vous aussi, vous avez l'air un peu tendu. Non, oh, je peux aller par là. Je m'en joue plus infiltration que ça n'en a l'air. Ok, une pièce. Ok, une pièce qui ne mène absolument à rien du tout. C'est cool. Je suis censé aller là en bas. Ok. À quoi sert cette pièce? Il y a même pas un truc. Il n'y a pas une cachette quelque part? Apparemment pas. Ah, il y a le réfrigérant à boules. Il est ici. Faut que j'aille le chercher, merde. Faut que je reparte en arrière du coup. Là je vais me foirer évidemment. Non, ça va. Il est où le réfrigérant à boulier là-bas? Putain, j'avais réussi à passer ici. Il faut que je retourne en arrière maintenant. Ah mais je peux monter maintenant. Ça c'est bien. Quand même pas laisser le réfrigérant à boule quoi. Ok, sans la bonne grosse foirette, ça. Pas une bonne idée d'être ici. Alors, il y a l'autre qui se balade là, évidemment. Ok, il fait juste un tour lui. Ah, il a oublié de prendre de l'aspirine.
Ok, donc faut que j'empoisonne ce truc. Pendant que l'autre a le dos tourné. Hein. Ah mais du coup l'autre il vient rallumer, mais quel enfoiré quoi. Oh j'ai mal à la tête, si je mangeais une pomme. C'est pas plus efficace de boire un peu d'eau. Hein. Ok. À mon avis, je me suis foiré. Et ça, mange ta pomme et tais-toi. Il paraît qu'il va plus manger de pommes maintenant, évidemment. Ah si. Ah non. Ça aurait été trop beau. I think this is the fabulous bulby thing that Ozcan wanted. And where does he want to put that? You, you little green skin pervert. I found it. Ah! Oh, et lui il va me tuer d'un coup, non? Ouais, c'est ça. Ah! Hein, quoi? Pourquoi tu me ramènes ici, toi? Mais non, non, mais je veux pas mettre en combat! J'ai pas. Pourquoi la dernière sauvegarde me ramène ici? Bah d'un côté maintenant je le sais, donc on va pouvoir se barrer vite. I'm beginning to understand why prisoners are never seen again. What do these assholes think they're doing? It's strange, though. This lab... It reminds me... Ah! My head! Oh! The pain! It's unbearable. It's as if my skull caught on fire and somebody wanted to put it out with a fucking fork! It's as if somebody wanted to get inside. Bang, bang, bang! Well, come on in for crying out loud, if that's what you want. Ah, une potion de soin, ça m'intéresse. Par contre, il y a un putain de garde. Comment on est censé les buter, ceux-là? Tu fais ta petite ronde. En fait, on peut juste les empoisonner. Pourquoi tu changes de sens, toi? Un coup. Et l'autre il va me repérer si j'empoise d'autres trucs quoi. C'est quoi ce déplacement bizarre qu'il fait?
ils ont raté leur chemin de ronde, quoi. J'ai vu un truc ramassé. Ah, plus ça, on s'en fout. Encore une salle de torture. C'est un peu une manie, non? Là-bas, il y a une potion d'acide, on s'en fout. Potion de soin d'ailleurs, hop. Voilà. Et c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un bourreau. Quelqu'un qui est dans un rack. Encore un bourreau. Ah, en fait, le mec est toujours vivant, d'accord. Je crois que j'en ai quelque chose à carrer, mais... Tout ce qui m'intéressait, c'était le réfrigérant à boules. Alors, c'est bien beau de mettre des trucs comme ça, mais... Là, il y a des encres, alors qu'il n'y en a pas de l'autre côté. Ah, si, si, je peux aller là-bas en passant par là. Et à quoi ça me sert de venir ici? Je pense pas qu'on puisse sauter jusque là. Non, effectivement. Oui, bah, par contre ça m'a pété les guibolles, donc laisse tomber. J'ai eu de la chance, mais non. Il y a un chemin safe, donc... Ah, ouais, ça il a raison, tais-toi. Oh, un seau. Au revoir le seau. Hop. Voilà, c'est vite de se péter les guibolles au passage. Super, et ça m'amène ici, un endroit absolument ingérable. Et je peux pas remonter autrement, je crois. En prime. C'est un piège, en fait. Ouais, je saute pas assez haut. Je suis obligé de remonter par là, maintenant. Ah, tais-toi. Les orques. Quoi? Regardez ces fiers représentants de la race orque, enchaînés et dressés par les hommes comme des chiens de garde. Ou mieux ne pas se faire attraper. Oula. J'ai pas eu le temps de finir de lire à cause du mec qui arrivait. Ouais, c'est ça, regarde dans le trou, mais moi je suis de l'autre côté. Hein. Well. Ça t'apprendra à m'embêter. Donc, on disait, mieux vaut ne pas se faire attraper, sans quoi ces gros benets seraient capables de me réduire en morceaux. Difficile d'imaginer qu'un jour nos deux espèces puissent s'allier, mais sait-on jamais. Ok, donc c'est bien un préquel en fait. Par contre, je n'ai toujours pas vu les orques. Hein. Par contre, les scarabées, ça je les ai bien vus. Hein. Mais putain de saloperie bestiole. Ah, je hais ces bestioles. Ok, ça me ramène ici. Bon, au moins je peux ne pas aller chercher la pièce qui ne sert à rien.
J'aurais même pu dire où est le trou par lequel je suis passé la dernière fois. En fait, il y en a toujours un qui regarde par ici, quoi. C'est... Faut que je m'appelle Fidi Gonzalez pour passer, quoi. C'est une armoire, ça? Non. Oh putain, non. Non, ça va, elle va de l'autre côté. Mais quoi, pourquoi les insectes n'attaquent pas les autres? Ils font du bruit. Et ces sales bêtes sont censées être aveugles, donc elles font pas la différence entre un allié et un ennemi, quoi. Bon, par contre, elle pouvait se casser maintenant. Allez, où c'est du balai? Bon, on a vu où était l'orque, hein. Bon, alors, il s'est arrivé jusque là. Bon, on fera pas deux zones, hein, cette fois-ci. Ah, du coup, il y a une cinématique, tiens. An orc. They say they like playing with their food before swallowing it. Well, hell, just as long as I'm not his breakfast. Là, il y a l'orc qui roupille. Est-ce qu'on peut lui sauter dessus? Je ne pense pas que ce soit la seule chose à faire, mais j'ai envie de voir ce que ça fait. Est-ce qu'on peut sauter sur son gros ventre? Yeah. D'accord, c'est un instant de death, quoi. On a même pas vu ce qu'il a fait, mais il m'a un instant de death alors qu'il dormait. D'accord. Lui lancer une boule de sable. Et ça sert à quelque chose. À part à l'énerver. Et à appeler les insectes. Ouais, ça appelle les insectes. Donc ça ne sert à rien. Ouais, d'accord, faut sauter dessus. Ah, il a le sommeil léger, hein. C'est pas comme ça que je voulais passer, mais c'est passé. Et du coup, on est dans le quartier de haute sécurité. Et là, on va perdre du temps parce qu'il faut que je trouve comment obtenir la relique. Come on, Ragash. Find cell 5 for me. And be quick about it. Cell 5. Let's see. Must be right at the other end of the prison. Some kind of dungeon or torture chamber.
On n'a pas arrêté d'en croiser des salles de torture. Faudra comprendre ce que ça veut dire. Donc un truc avec des soldats qui doit aller vers un truc avec des soldats sur le côté et une boîte qui pend au plafond. Et le mécanisme est dans la boîte qui pend au plafond. Ah bah on a eu le mécanisme, il est là. C'est ça la relique, c'est le prisonnier, c'est ça? Peut-être avec la carte ce sera plus clair. Non, absolument pas. Cellule 5, ok. Une flamme, un tonneau et des chaînes. Ça va beaucoup m'aider pour trouver ce que je fais. Et je devrais voler la relique. Oui, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Mais on fera ça dans l'épisode prochain. Je vais sauvegarder. Voilà. Bon bah, ça va, l'épisode s'est pas trop mal passé pour une fois. Un ou deux petits fails, mais que j'ai réussi à retourner ou pas. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Corogorsion, en direct de mon playthrough de Styx Masters of Shadows. A bientôt pour la suite.